C'est bien d'avoir un vrai essai intuitif de demi-de-mêlée comme ça, parce qu'on n'en voit plus, on voit que des essais de gros cons. Ouais, ouais, après, je sais pas si je le joue au bon endroit. Mais bon, oui, j'ai pris l'initiative de la jouer, bon, ça m'a réussi, tant mieux. C'est dans l'esprit, hein? Oui, oui, c'était un match qu'il fallait gagner, avec la manière. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes. Et on voulait, comme a dit Julien, se rattraper des contre-performances qu'on a fait à Oyo et à Pau. Avec une conquête dominatrice. On a vu qu'on a marqué sur une mêlée enfoncée. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas marqué. Après, on ne marque pas sur groupé pénétrant. C'est notre défaut à nous encore de travailler. Vous vous sentez plus serein, plus calme là? 4 essais, 3 essais offensifs? Plus calme, non. Je dirais pas ça parce que. On voit encore qu'on loupe des occasions toutes faites. Je crois que c'est notre point négatif, on ne concrétise pas. Donc aujourd'hui on l'a fait, mais on est tombé sur une équipe d'Oria qui a rien lâché, qui a proposé du mouvement aussi. Donc c'est bien, mais serait peut-être sur certaines phases, mais on voit que sur un match on est bon et sur l'autre on est mauvais. Mais vous vous rendez compte quand même en jouant que quand vous jouez déployé, vous avez des possibilités, des opportunités. Quand vous accélérez, ça le fait. Plutôt que de passer systématiquement par le centre. Ça le fait, oui, parce qu'on essaie de tenir debout. On a des joueurs qui viennent lancer, mais on a vu les 20 premières minutes. On ne s'est pas trop adapté à la défense en pointe d'Aurillac, avec des soutiens sur Beignat qui étaient arrêtés. Donc il a fallu mettre 20-25 minutes pour corriger ça. Donc peut-être qu'à d'autres matchs, ça passera pas. À titre personnel, je présume que jouer un match titulaire à Guy Boniface cette année, tu n'as pas joué beaucoup, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Il a fallu que j'attende 10 matchs pour jouer, mais bon, ouais. C'est comme ça, il faut travailler, ça paiera. En même temps, chaque fois que tu joues, tu marques, donc c'est bien. Ouais, ouais, mais bon, c'est le collectif qui prime. On verra à la fin de la saison, on fera les bilans, mais c'est le collectif qui prime et il faut qu'on aille chercher cette place qualificative. Justement, bilan sur fin du deuxième bloc en attendant Béziers. On vient de tous nos matchs à domicile. On propose beaucoup de volume de jeu. Je pense qu'on se fait plaisir, mais comme je l'ai dit, après nos déplacements, on prend minimum 25 points par match. Donc pour une équipe qui se prétend à jouer les premiers rôles, c'est inadmissible. Donc il faut travailler et être concentré pour chaque match et motivé chaque match, chaque week-end. Et là vous allez avoir des occasions, Narbonne, Roche, tout ça, aller en prendre dehors. Oui, ouais, mais il faut les respecter, ces équipes. Roche, on les connaît. L'année dernière on a perdu chez eux, on avait été minables. Donc Narbonne, c'est pareil, ils ont une mauvaise passe, mais toutes ces équipes, il faut les respecter. En amical, on a perdu à Périgueux, on s'est fait laminer devant. Donc ce championnat est très dur et tous les matchs seront âpres. Et à nous de bien les préparer pour les gagner. Comment tu l'expliques, ces deux visages du Stade Montois, à domicile, où vous êtes souverain, et à l'extérieur, où vous êtes extrêmement fébrile? Honnêtement, je sais pas. Après, faut dire aussi qu'on a joué Pau qui était sur deux défaites qui avaient pris 30 points, donc eux aussi ils avaient à cœur de se rattraper à domicile. Et puis nous, peut-être qu'on était, on y allait en dilettante, un peu trop serein peut-être. Et donc on a payé cash.